Salut tout le monde, c'est vrai, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Simpson et Tenvan. On est toujours avec Bart Simpson pour déjouer le complot des extraterrestres sur la boisson d'œuf cola. La dernière fois nous avons pas mal ragé sur la dernière mission, c'était de récupérer les armes laser, je ne sais trop quoi. Donc voilà, aujourd'hui on va aller en direction du magasin, je sais pas trop quoi, là, qui est juste à côté. Hein, tiens. Monsieur Skinner. Principal Skinner, les extraterrestres distribuent des lasers meurtriers dans tout Springfield. Il faut qu'on prévienne tout le monde. Tout ce qu'on a à faire, jeune homme, c'est de t'enlever cette babiole illicite des mains. Apparemment, tu as oublié la tolérance zéro de l'école sur les lasers. Détruisez la voiture de Skinner et récupérez le fusil laser avant la fin du temps parti. Ok. Prends ça. On me dit pas, faut. Manger de l'asphalte, mangeur d'asphalte. Hé, t'aimerais toi avoir un journal à l'envers sur ta tête? Hé, les yeux sur la route, pauvre truffe. Oh l'enfoiré, il a pris le raccourci. Pourvu que cette question le coup. Je t'en élèverai un autre. Oh ça! Ce mec commence à se détruire tout seul. Ça a peur, fille. Attention, danger! C'est le moment de faire crisser mais les pneus! C'est quoi ces bugs là? Ah, il passe la seconde! Bon, c'est pas lui qu'il faut éclater! En avant pour la vitesse lumière! C'est nul ce système de guidage par ordinateur! Mais putain de vie! Si seulement j'aurais pas le véhicule là, il aurait pris de tarif! Pas moi, j'ai dit qu'il faut détruire. Là, il va rentrer en ville, il va prendre tarif. Ils savent pas encore, mais ils ont déjà perdu. Prends ça. Voilà. Incroyable. Il se détruit tout seul. Un fou du volant à la barre, Simpson. Attention, je me fais facilement des bleus. C'est trop cool pour l'école. Je t'en élèverai un autre. Il a fait demi-tour. Alors, hein, il reste encore un coup, c'est bon. Allons montrer la preuve à Krusty, et s'il ne me croit pas avec ça, je fuirai son derrière. Il s'est détruit tout seul. La preuve que le professeur Skinner ne sait pas trop conduire. C'est pas drôle. Mais... C'est pas moi. Merci beaucoup, monsieur Cass. Monsieur quoi? J'ai compris monsieur Cass, mais j'ai pas compris le reste. Heureusement, j'ai pas tout compris. Je crois qu'on arrive à la mission que ça va me faire rager. J'espère que c'était cher. Krusty,
petit. J'ai une preuve maintenant, tu vois ce laser? Eh bien, si je m'attendais à ça, tu disais bien la vérité. Tu lui as donné une leçon à ce clown. Blabla, etc, etc, reste à l'école. J'aurais juste aimé que tu me le demandes avant que je ne les laisse installer les stands armes laser gratuites. Bon sang, il faut que je trouve de l'artillerie lourde si je veux entrer dans cette propriété très privée. Carny devrait avoir quelque chose de bien. Vous devez conduire la voiture de le super méchant, achetez-la à Carney pour 600 pièces. On en a combien? Ah, d'accord. 600 pièces. Ils sont fous. Bon, ça va vite. Mais depuis quand on peut pas traverser les décors comme ça? Qu'on ait 600 pièces, mais ils sont malades. Il y en a combien là? Ah, il nous reste encore 200 à vendre. Il est fatigué. Oh, tellement fatigué. Il nous manque 110 pièces. Tu jouais pas autant aux jeux vidéo, on arrive à les trouver. Faut qu'on arrive à les trouver. Faut que je me débarrasse de mon gras double. Oh. Bien, j'ai oublié d'activer la caméra. Je perdrai jamais ces poignées d'amour. Hein. C'est le moment d'être un fou du volant à la barre, Simpson. Pièces, il me manque.
Est-ce qu'il y a des trucs à péter là? Ouais, il y a ça. C'est pas vrai, il nous en manque 12. Ah c'est bon, il y a ce qu'il faut ici. Voilà. C'est bon. Ouais, c'était rapide quand même. Faut aller récolter les 600 pièces. Voilà. Hop. Hey, Kearney, faut que je fasse plein de dégâts en un minimum de temps. J'ai exactement ce qu'il faut. J'ai une voiture qui appartenait à un méchant super-héros. Il l'a utilisé pour conquérir la côte est. Wow. Détruisez tous les stands de laser de Springfield avant la fin du temps imparti. No problemo. De souvenir, c'est cette mission-là qui va me faire le plus rager. Bon, ça commence déjà bien. Hé, hey, les véhicules là, tirez à droite, s'il vous plaît. Fais gaffe, poivreau. C'est celle d'après. Triste journée pour les personnages génériques du monde entier. Hey! Attention! Hey, t'es prêt toi à avoir un journal à l'envers sur ta tête? Attention! Il y a trop de persos. Dégage, grenade. Oups. Il reste plus que 6. Ça va être chaud. Non, c'est mort. Ah, il me manquait plus qu'un. Ouais. Ok. À moi. À moi. Manger de l'asphalte, mangeur d'asphalte. C'est le moment de faire crisser les pneus. Hé, attention. Non. Ah bien. Putain. Seul coup de keuf. C'était dément. Je sais pas s'il y a moyen de bouger. Ouais, super. Voilà, tant pis, bel écoute, je passe. C'est le moment d'être un fou du volant à la barre, Simpson. Je n'ai pas encore fini avec toi. Manger de l'asphalte, mangeur d'asphalte. Regardez, je suis à 10 secondes. Il m'en faut encore bien 10.
pour y arriver. Oh, car des cas, cette mission-là, on va essayer de la refaire sur un live 100%. Bon, les amis, on va passer cette mission-là. Ça fait littéralement plus de 30 minutes, voire 40 minutes que je suis sur cette mission. Je n'y arrive pas. Donc là, on va passer, les amis. Je suis désolé. Mais... J'en ai même activé les cheat codes pour avoir la visibilité et de détruire tous les véhicules. Mais j'essaie de chercher d'avoir un cheat code pour éviter les flics et tout ça. Mais pas moyen. Mais le problème, c'est que dans cette zone-là, t'as trop de trucs à éviter. C'est chiant. Puis en plus, le chrono, c'est pile poil le temps que tu dois mettre pour ça. Alors, ouais. Regardez, le peu de trucs que j'ai fait, j'ai activé les flics. Alors, c'est chiant. Regardez, j'ai même activé le cheat code pour détruire. Pour vous dire. Pour être plus tranquille. Mais le problème, c'est un bien pour un mal. Parce que dès que les flics ils veulent te percuter, bah ils te font dévier. Voilà. Donc j'ai passé la mission. Donc on n'aura pas la cinématique de fin de mission. Donc on se refera la mission lors du live 100%. Donc voilà quoi. Voilà. Donc vous aurez des ellipses, j'en suis désolé. Mais quoi? J'étais à l'arrêt. Pourquoi? Laser. Jamais de toute ma vie j'ai dû donner autant d'explications. Quoi? C'est la pire honte pour Duff depuis la glace d'œuf. Je dois utiliser mon arme secrète. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais vendu ma vieille caisse pour que tu puisses aller à l'université? Ouais. J'ai menti. Ouais, pas de bol le basanier. Arriver à la brasserie d'œuf avant que les extraterrestres ne s'échappent. Ok. Du gâteau. Mon nom est Simpson, Bart Simpson. Bon, ça commence déjà très très mal. Je suis une bête de vitesse impitoyable. Bon, on va recommencer la course. Parce que là, on va démarrer sur les chapeaux de roue. Bon, j'essaie d'être assez concentré quand même. C'est l'heure de se cracher. Moi ça me va. Les jantes m'ont coûté 900$. C'est pas les tiennes, c'est celle à ton port. J'étais pas là avant ça. J'ai perdu les commandes. Ah ouais. J'étais pas là avant ça. Oh putain, ils ont faux, ils prennent le raccourci. Venez de la retaper. Bon, bah c'est parti pour la rush numéro 2. Ouais. No problemo. C'est trop cool pour l'école. Très mauvaise idée de prendre cette route. Pourtant, tu portes pas de chapeau pour démarrer. Sur les chapeaux de roue. Oh putain. On y va. Ok. Oh la blague. Ils ont déjà perdu. Je dis perds, maintenant je perds. Je suis un pro. On se calme. T'étais supposé mordre ma poussière. Encore. Reste dans la trajectoire. T'as triché, tricheur. Mal au fait. Avance, saleté de planche. T'es vrai. Prends ça. Au secours. Ah, mon cou. Oh non, allez. Avance, saleté de planche. Hey, n'en faut plus. Et les gens disent que je suis lent.
Une petite minute, c'était une insulte. Un petit peu quand même. J'ai bégayé. Les lasers, c'était juste un début. Mais maintenant, notre cola diabolique se répand dans votre centre d'approvisionnement en eau. Ça va réveiller les morts. Des zombies vont sortir de leur tombe et dévorer les vivants. Et nos taux d'audience vont monter à des niveaux qu'on n'avait jamais vus depuis l'âge d'or de la petite maison dans la prairie. Ça a l'air trop cool. Non, pourvu que leur plan rate. Qui va bien croire ça? Les zombies mangent des cerveaux, on va s'éclater. La tronche du père. Bon les amis, mission du scénario, 6 sur 7, c'est normal parce qu'on a rush-kit entre guillemets la mission 6. Donc voilà, donc on se la refera lors du live 100%. Je vous le dis. Donc vous aurez eu des ellipses quand même sur cette partie. Donc voilà, faut savoir que je suis à 1 heure de rec. Donc, j'aurais tout, parce que skip tout, malheureusement, mais voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette partie, donc cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour la suite de l'aventure. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.